Bienvenue dans un épisode de World Truth sur Metroid Prime 2 Echoes. Bon. Là, fais pas chier toi, voilà. T'as tout gâché. Voilà. Voilà, m'énerve toi, là, voilà, crève. Munitions, donnez-moi. Non. Pas baisser à ça quand même. Je me baisserai pas à cogner des machines sans défense. Que celle qui m'attaque. Bon, la petite pointe que j'avais indiquée là, en tirant là. Hop. Laisser un écart entre les sauts comme ça. On peut le faire à l'aise. Bon. Maintenant, mais. Pas de munitions, bon, c'est pas grave. Hein. On s'en fout. Mais, oui, bon, là, j'ai pas le temps. Hein. Voilà, oh, sans prendre un dégât. L'expertise, que voulez-vous? Bon. One shot, voilà. Pratique attaque en vrille des fois quand même, je vous dis. Ça va être pratique. Bon. Munition. Au pire, on rentre pas bientôt, hein, si on n'arrive pas à s'approvisionner. On rentre pas bientôt, bon. Ah, non, ne me suivez pas. Ouais. Horreur de la nature. Bon. Voilà. La petite save pour l'énergie, les données, voilà. Bon. Clé au combat, combien que deux. Attendez. On n'avait pas neuf pour ça. Il y en a 9, non, il y en a 12, je crois. Doute, affreux doute. Affreux doute. Il y a donc là. Okay. 9, si, 12, c'est pour le. C'est pour Prime qu'il y en a 12. Il y en a 9 là-dedans. Oula, je tombe encore, moi. 12 artefacts, c'est dans Metroid Prime, il y a 9 clés. Dans son transit, recherche. Oula, elles me souviennent. Ah si, ils ont des productions d'énergie. Cœur du réacteur. Un réacteur nucléaire, en gros. Fonctionnant aux phases 1. Très mauvaise idée, d'ailleurs, je trouve. Oula. Bon. Avancez. Y'a plus de monstres, rien. Raccourci dans la pièce aussi. Le petit rail, voilà. Gagne quelques secondes, hein, c'est toujours bon. Donc là, ça va te faire le tunnel aussi. Hein. Voilà, on va pas se faire chier, voilà. Un robot qui scanne tout là. T'as pas vu en fait, CEO. Donc là, un petit ascenseur pour aller vers le désert d'Agon. Ça nous sera utile une fois qu'on aura toutes les clés. Joli ascenseur en plus, hein, je trouve. Ça me fera faire plaisir après. C'est certaines susceptibilités quand même. Voilà. Te laisser. Te laisser. Hein. Voilà, laisser la bête. Cherchons pas la merde non plus. Et qu'est-ce que je fous là d'ailleurs? Qu'est-ce que je fous pas au portail? Ah, pas bien des fois. Bon, donc là, hop, zou. Oh, la grande porte en plus. Allez. Et on
ciel, ce ciel rouge apocalyptique. Bon. Avant de se faire poursuivre par les mobs, on passe par là. Les commandos apparaissent, mais c'est trop tard pour eux pour nous choper. Là, tirer. Pour passer, il y a deux choix. Soit viseur sombre et vous suivez la plateforme rouge par là, qui va vous faire strictement chier pour moi. Soit vous faites comme moi. Hop. C'est plus rapide quand même. La méthode est plus rapide. Je trouve personnellement que la mienne est plus rapide. Voilà, parfait. Bon. Les sacs à merde qu'il y a ici. Oui, voilà, c'est une bonne méthode de s'en occuper, ça. T'es une saloperie, là, mais... C'est agressif, les saloperies. Crève. Ah oui, donc ce qui nous attend est une véritable abomination de la nature. Destructeur digne, vous connaissiez, c'est dangereux. C'est très dangereux. Pas encore réveillé, j'ai de la chance. Cette chose, vous voyez, un destructeur digne sombre. Avec son air de zombie, là. Eh bien, il m'aime pas. Donc, moi, je fais comme avec les destructeurs dignes normaux. Donc, le sombre est vraiment balèze. Bon, on va mettre ici. Là, ensuite là, elle porte là, donc là un rayon, mais Ah oui, la version lumière de cette pièce est un. N'apparaît pas encore, est un terminal de carte. Avec dans la version lumière de cette pièce sur Ether, à la place de ce rayon rouge qui vous fera mal, il y a un rayon jaune pour vous téléporter plus haut. Et allez donc dans un petit endroit, il y a une réserve de missiles. Et là il y a un terminal de carte. Éther sombre, vous avez une unité de recharge des munitions. Vous rechargeant contre le power bomb. Très utile. Cool. Bon. Nous observons donc ici. Là, voilà, on avance. Ah oui, unité de sauvegarde évidemment. Bon. Là, voilà, 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 on tire. Allez. Les bestioles se crèvent sur le champ de force, tellement qu'elles sont faibles. Même pas besoin qu'ils soient dopés. Donc là, une espèce. Oula. Ah, excusez-moi, Philips. En re. Bon. Donc une espèce inédite, un peu. Que vous n'aurez l'occasion de scanner qu'ici, si je me souviens bien. Donc, faut faire gaffe, là. Ils vont arriver, ces choses-là. Laissez-les venir. Voilà. Larve Ing. Bon, il y a l'intérêt de les scanner, c'est que pour compléter les données, hein. Il n'y en a pas vraiment pour les battre, puisque ça se bat tout seul, en fait, voilà. Et l'intérêt de les scanner, c'est uniquement... pour avoir toutes les données, donc toutes les banques d'images, et pour les passionnés, quoi. Bon, donc là, pas vraiment d'intérêt, à part, voilà, donc là. Voilà. Pile poil. Magnifique. Bon. Vous montez donc plus haut. Voilà. Et donc là, point rouge là-bas. Ce rayon de lumière vous fera mal, hein. Voilà. Et la sempiternelle. De stockage qui aime vous faire chier.
Voilà, disséquer. Pousse ton immense cri. Voilà. Et donc là, pour retomber, ben on se démerde. Donc, ben moi, je retombe là-bas. Voilà, parfait. Je reviens par là. Et voilà. Et ensuite, je reviens. Oula, oula, oula. Voilà. Ah oui, faites gaffe de ne pas tomber parce que là, même si sur Ether les panneaux sont fermés, là, ils sont ouverts. Petit piège. Donc là, vous tombez dans le vide en fait. Magnifique piège qui a été fait pour vous. Bon. Mais. Missile, voilà, intéressant. Voilà. Unité de sauvegarde donc. Voilà. Une clé obtenue. Encore une à cet endroit-là. Ensuite, nous passerons peut-être au désert ou au marais, ça dépend. Les clés sont plus très longues à voir. Donc là, ellipse jusqu'à la zone de retour. Ce mob-là, bombe de puissance, n'oubliez pas. Il y a un rechargeur à côté, vous faites pas chier. Donc, hop. Donc, eh bien, je vais revenir en éther et aller ensuite à cette pièce-là. Donc, que nous retrouvons grâce en passant par le temple, c'est-à-dire la pièce où nous avons vaincu le boss. Vous vous souvenez, le boss a le gardien arachnéen. Donc, y retourner. Rendez-vous là. Bon, donc, nous en sommes à cette pièce-là, comme j'avais dit. Sur la partie de droite avec les tunnels. Pas le chemin qui est à gauche, donc. Donc voilà, c'est simple, voilà. Le pilebug m'a vu, donc il s'énerve, évidemment. Voilà, ça les agite, ça y est. Je l'ai fait aussi fait que ça. Bon. Et oui, hop, 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 hop. C'est par là, voilà, on va là. Comme l'endroit où il y avait la boule araignée était là, et bien là, une porte à power bomb. Cet endroit est censé être un entrepôt. Il n'y a rien d'exploitable quasiment, si ce n'est un portail. C'est le seul truc qui a pas de bonus. Dommage pour un entrepôt d'ailleurs. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit bonus, vous voyez. Un petit bonus, ça aurait été bien. Une petite caisse au moins, voilà. Bon là, même chose, deuxième cage de la ruche, rien d'autre qu'un portail. C'est voilà, c'est un peu dommage. Mais l'intérêt de là, alors allez pas à fond sinon vous tomberez dans le vide. Lancez doucement. Et là. Et voilà, on est là. Voilà. Chantier. Voilà, le chantier, bah elle avance pas. Donc là, vous allez là, préparez la boule turbo. Et vous foncez sur la truc. Vous mettez sur le bouton rouge, quand il est tout en haut, vous tirez, voilà. Là, ensuite. Hop. Et voilà. On a passé ça. Voilà. Et ben, ça y est. Voilà. Pour retourner là-bas, soit on peut passer par les rails et faire tout en inverse, ce que j'ai pas envie de faire, moi. J'aime mon attaque en vrille. Voilà, c'est plus rapide, plus simple. C'est OP. Voilà. Et on arrive là, donc. Voilà, ça c'est fait.
polybestiole. Ensuite, mon raccourci là, consistant à passer par là, comme quand je battu le boss, et là, voilà, tombe là, c'est mieux quand même. Et là, soit je pourrais nous faire passer par le temple, là, donc au contrôleur d'énergie, puisque les contrôleurs d'énergie étant désormais tous reliés, il m'est donc possible, lorsque je suis un contrôleur d'énergie, d'accéder à n'importe quel autre contrôleur sur Ether. Ils sont tous reliés par ces rayons de lumière, donc par téléportation, je peux aller de l'un à l'autre, comme je veux, mais plutôt faire passer par l'ascenseur. Allons vers Agon, ce sera plus sympathique. Pas plus fun. Son d'Agon à Torvus, je vous mettrai probablement par ascenseur, par contrôleur. Enfin, de Torvus, par contre, je reviendrai par contrôleur. Que j'y pense à ça et pas d'ailleurs que... je vais vous faire sortir cette pièce vite fait, voilà, mais vu la passer assez de fois quand même. Bon, donc de là nous allons donc aller appuyer avec le bouton A, vous pouvez afficher les régions. Donc, voici les régions des terres. C'est simple, là, donc on se retrouve là ensuite pour un beau trajet. Bon, en creux, voilà, nous allons arriver à cet ascenseur, mettre égouré de direction à un moment. Donc là, je dérange pas la machine, j'ai pas envie de me battre avec, j'ai la flemme. Voilà, donc le bel ascenseur, là. En plus, c'est que c'est beau panneau transparent, c'est magnifique, vraiment, c'est un point de vue, mais splendide surtout. Là, c'est en baie vitrée, c'est magnifique. Vraiment envie d'aller voir, là. Caméra de merde, ça. Bon. Vraiment, c'est vraiment envie d'y aller, quoi. Vraiment envie d'aller voir. C'est une atrocité, ça, d'ailleurs. Vous pouvez pas aller voir. Parce que ça, vraiment, ça donne envie pour rien, quoi. C'est du sadisme. Bon. Ça, donc, le passage en ascenseur. Intégrant une pièce, voilà, qui fait un peu effet vieille technologie mécanique abîmée, là, c'est... Je croyais sur Tatooine dans Star Wars, un peu, là, par contre. On a bien la même ambiance, quoi. Bon. Là, on est dans un tunnel près de la base de pirates, ce qui est tout à fait pratique. Donc, il y a un rendez-vous ici, réacteur principal, dans sa version sombre. Dans sa version éther sombre, là, par lequel nous étions passés. Donc, eh bien, ellipse. Ah oui, donc ici, un écrit aussi dans la version éther. Un petit écrit à scanner, là, c'est intéressant. Heureux. Bon, nous sommes donc là. Vous vous souvenez, nous étions passés là, lors du premier passage. Donc, en gros, on va là, on s'emmerde pas, voilà. Relax, ça, on va sous l'eau, voilà, sous la flotte, on n'a pas peur. On se gêne pas, voilà. On trouve la capsule de merde, là, voilà. Et on trouve ça. Le turbogravité fonctionne aussi dans l'eau sombre. Petite précision. Bon, donc là, on se fait pas chier, on rentre avec... Bon, les stalagmites à la con, là, qui ont bloqué. C'est pourriture. Plafond de merde. Voilà. Je suis donc là, voilà. Ouais, bon, pour ceux qui veulent recharger leur munitions, il y a de quoi. Saloperie. Voilà. Et donc ça, là, on va recharger les munitions. Donc, je coupe la cinématique, on est rechargé, voilà. Allez, zou. Et ensuite, rendez-vous à une autre pièce. Là, où nous avions obtenu déjà une clé. Celle pour le temple d'Agon Sombre. Avec tous les guerriers qui étaient venus là, si nombreux étaient-ils. Rendez-vous là, ellipse.
Heureux. Bon, il y a donc des guerriers Ying. Ils aiment vous faire chier, croyez-moi, ils aiment ça. Ils vous crachent des rayons, donc là c'est à qui balancera le plus de rayons. Hein. Combat de spam. Et ils ont eu marre du spammage, donc bah ils vont venir directement vous emmerder de près. Voilà, dans la capsule d'énergie désintégrée. Bon, viseur sombre, vous avez donc des petites plateformes. Trop hautes pour l'attaque en vrille, malheureusement. Oh putain, bah c'est tout mort, voilà, c'est tout mort. Magnifique. Parce que ça, c'est le gros défaut de cette pièce pourrie là, c'est que voilà, quand vous êtes baisé, vous êtes baisé. Donc, bon, deuxième essai. Heureux, bon. Les guerriers réapparaissent à chaque essai aussi, hein, c'est inévitable. Voilà, faut bien doser. Saloperie de plateforme de merde là. C'est la paix de murde, mais alors. Faut bien doser à chaque fois ces saloperies de plateforme. Est-ce qu'elle bouge? Ces saloperies là, là, on fait pas chier toi. Tant pis, allez, vite, bouge. Bon, je suis censé aller là d'ailleurs. Voilà, bon, ça c'est fait. Zou, ça c'est fait, voilà. Donc là, on est là enfin. Hop, putain, il y aurait un son pour le fun, tiens. Ça marche en plus, c'est ça le pire. Bon, la clé a été obtenue. Voilà, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. La clé maudite a été obtenue. Bon, donc. Ascenseur de la Tordus, voyons voir. Petite pause, je vérifie sur la carte. Bon, ça doit être trouvé. Donc, rendez-vous à cette pièce-là, à ce tunnel. Alors, donc, nous approcher de cette petite porte bleue-là. Voyez là. Allez, rendez-vous à cet endroit-là. Heureux. Bon, pour monter par là, pour remonter, il faut les monorails. D'ailleurs, on a un petit mini-jeu là-bas qui est un peu chiant, qui mène à une réserve de missiles sous cette capsule qu'il faudra briser. Mais bon, il est assez dur. Bon, voilà. Vérifiez qu'on est là, on n'arrive pas donc. Voilà. On arrive donc à un truc, donc là, vous pouvez péter la zone. Hein. Ça sert pour le gratter. Oh, failli. Dansium. Voilà, donc dans notre grande subtilité, et eh bien voilà. Une œuvre d'art que j'ai massacré encore. Pour une réserve de power bomb. Et donc, et eh bien, pas retourner par là, trop haut. Donc on va par là. Sacré un truc là. Bon, on arrive donc là. Et donc là, et eh bien on va déjà avoir l'explosion sombre. J'espère que je puisse passer par là. Oh. Ah. Voilà. Voilà, oui, bon, pourquoi je me laisse pas tomber par contre? Bonne question. Voilà, bon, multimissile évidemment, donc là, hop, 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 bien serré, en plus c'est un peu chiant, faut se mettre là, ouais, merde, voilà, j'ai tiré que ça foirait, pas assez de distance, les missiles, ils se sont pris les uns dans les autres, parce que des fois, ils foirent, ils se prennent les uns dans les autres, ça bug des fois, bon, donc là, voilà, une pièce, avec quelques petits défis à faire un peu, mais c'est sympathique quand même, le résultat. On a un combo de charge pour rayon sombre, donc une espèce inédite aussi, les crallies, mais basiques, pas les verts. Donc c'est comme les crallies normaux, sauf qu'ils ont un cristal dans le dos, un cristal rouge, parce que les verts peuvent pas, comme il est vert. On ne sait pas pourquoi. Le rouge, donc, automatiquement, sans vouloir, sans s'en rendre compte, le cristal va accumuler de l'énergie vitale et va créer un mini portail interdimensionnel. Donc voilà, donc il va changer de dimension. Pas forcément éther sombre, mais une autre dimension.
Bon, là, je crois bien que c'est ça qu'il faut. Ouais. Voilà, donc là, un luminote mort, là, là aussi un contrôleur. Donc là, c'est pour activer la foreuse, là, vous voyez. Système de forage, là. Évidemment, vous mettre. Ah là, ça fait mal. Foreuse. Les pirates d'espace, c'était de convertir ça en arme. Voilà. Les pirates, hein, toujours aussi sympathiques. Hein. Dès qu'ils voient un truc, faut qu'ils en fassent une gun. Enfin, ça arrache, n'empêche. Hein. Bon. Donc là, on active ça. Et donc, il y a des. Ah tiens, un écrit là aussi, un écrit là-bas. Peut être utile, voilà, hop hop, on est content. Voilà. Donc l'intérêt est d'activer une série de connecteurs en temps imparti. Bon, quand le film se sera arrêté, évidemment. Parce que ça, dans tous les jeux vidéo qui soient, il y a toujours des films qui te pètent les burnes quand tu connais déjà ce que tu as à faire. Bon, le canon par là donc. Et voilà. Et là, ça fait monter le bidule. Et donc, au passage, bah, elle a explosé le rocher qui bloquait l'accès au portail. En plus, il s'est remis là. Sympathique. Pour arriver là, je sais plus. Je crois qu'il y a un chemin. Donc maintenant, il faut utiliser la boule turbo, si je me souviens bien. Putain, ma caméra m'a encore lâché. Je l'ai ressaisie, attends. Donc là, on passe par là, par là, par là, voilà. Et on retombe donc au centre, parce qu'on ne peut pas y accéder autrement. Un portail, voilà, on y va. Hop. Un petit portail. Ah, décidément, ce petit port de caméra, il faudra que je le change. C'est carrément une cavale. Wesh. Bon, donc là, un luminote, ça dit son et transmission, tout ça. Il a servi de défouloir aux Ying en fait. C'est-à-dire que les traditions Ying, c'est de prouver leur valeur au combat, voilà, pour passer à l'âge adulte. Donc en gros, sur les transmissions luminotes, tout ça, ce luminote aurait servi de punching ball pour que les Ying testent leur force. C'est mesure à voir qui fera le plus mal aux luminotes. Donc on passe par là, voilà. On passe par là si vous voulez. Une espèce de bestiole qui malheureusement j'ai pas trouvé un moyen de la scanner. J'ai trouvé aucun moyen de la scanner. J'ai eu 100% des données sans les scanner d'ailleurs, donc je pense que c'est juste fait pour le fun en fait. Hein. C'est inscannable. Donc là voilà, portail vers la lumière. Voilà. Et donc. D'ailleurs, la vidéo sera pas assez longue, il faudra en faire encore une autre. Trois épisodes pour faire les clés, ça va être chiant ça. Ah, ça m'énerve ça. Bon, bah, je vous finis juste ça, puis après je passe à la suivante. Sinon, elles auront pas des longueurs assez uniformes. Bon, allez. Donc voilà, explosion sombre. Voilà, on va l'acquérir. Voilà. Alors l'intérêt, eh bien on le verra au prochain coup, écoutez, hein. Allez, merci de vous regarder et à la prochaine.